Bonjour, donc je m'appelle Jacques Mourin, je suis chargé de mission cours d'eau à l'Agence de l'eau Loire-Bretagne et je vais vous parler des milieux aquatiques, donc des cours d'eau et des zones humides, mais aussi de la biodiversité qui est associée, donc toutes les espèces qui peuvent vivre en lien avec ces cours d'eau et ces zones humides. Alors on va voir qu'il y a pas mal de travail à faire sur ces questions-là. Alors pourquoi? Parce que tout d'abord, on va pouvoir constater des altérations sur les cours d'eau, donc sur les ruisseaux, les rivières, sur l'ensemble du bassin Loire-Bretagne. Et on a des cours d'eau qui ont été surcreusés, élargis, parfois déplacés ou même carrément enterrés, busés. Donc ça crée de nombreuses problématiques, hein, notamment sur la qualité de l'eau, mais aussi sur les inondations, par exemple. On va aussi s'intéresser aux zones humides. Alors, les zones humides, en France, on a perdu 70% des surfaces de zones humides en 50 ans. Donc, il est vraiment temps d'agir et de retrouver des zones humides fonctionnelles qui vont avoir un rôle naturel de filtre, mais aussi d'éponge, puisqu'elles vont pouvoir capter l'eau en hiver et puis la restituer l'été lorsqu'on a des problèmes de débit. Un autre axe de travail, ça va être la restauration de la continuité écologique. Donc, ça concerne la libre circulation des sédiments, mais aussi des espèces aquatiques. On parle souvent des poissons, notamment. Et enfin, un quatrième enjeu hein, qui est lié aussi avec les précédents, donc c'est lutter contre l'érosion de la biodiversité sur les milieux aquatiques. Les milieux aquatiques, hein, dans le monde, ce sont les milieux qui subissent le plus de pertes de biodiversité. Et c'est un enjeu transversal, puisque en restaurant les habitats aquatiques, on va restaurer aussi la biodiversité qui est associée. Donc en fait, ce qu'on va chercher à faire, c'est de redonner des fonctionnalités au milieu naturel pour bénéficier derrière des services qui nous rendent naturellement. Il suffit juste de réparer le moteur et après, ça devrait fonctionner tout seul. Donc dans le cadre de l'appel à projet qu'on présente aujourd'hui, on va parler des périmètres de contrats territoriaux. Alors le contrat territorial, c'est un outil de l'agence qui permet de mettre autour de la table les acteurs locaux, les collectivités, tous les usagers autour de la table pour la question des milieux aquatiques, mais aussi des pollutions diffuses agricoles ou encore de la gestion quantitative. Donc c'est important parce que on a cette couverture du territoire qui est importante et on a des acteurs qui s'engagent aussi sur ces questions. Donc, si vous avez sur vos terrains une zone humide, un cours d'eau donc qui passe sur le terrain ou en bordure, alors parfois pour vous, ça ressemble peut-être plus à un fossé, hein, mais souvent c'est un ruisseau hein, qui a été modifié. Donc, on pourra prendre en compte toutes les actions qui répondent vraiment hein, aux problèmes qui sont constatés. On a aussi des bases de données importantes hein, sur toutes ces altérations qu'on peut trouver. Donc, dans notre programme d'intervention, habituellement, on offre un taux d'aide de 50% pour les études et tous les travaux hein, qui permettent d'améliorer la situation. Là, aujourd'hui, on vous propose déjà 10 points d'aide supplémentaires. Donc, on pourra aller jusqu'à 60% pour les études et travaux. Et on ajoutera encore jusqu'à 20 points pour atteindre 80% si vous êtes porteur en parallèle d'un projet ambitieux pour réduire les micropollutions. Alors, je vais vous montrer quelques exemples, mais on pourra aller, bien sûr, hein, sur d'autres innovations. Donc, par exemple, on va pouvoir remettre à ciel ouvert un cours d'eau qui était enterré, qui était busé. Alors là, on lui redonne vie, hein, on passe de 0 à 100, hein, comme on dit. Pourquoi? Parce qu'on va permettre vraiment au cours d'eau d'être fonctionnel très rapidement et surtout de redonner vie en quelques semaines sur ce cours d'eau. C'est aussi intéressant, vous êtes peut-être certains, peut-être assez nombreux dans ce cas-là, si vous avez des problèmes d'inondation, on sait que c'est des travaux qui vont limiter la fréquence ou les effets de ces inondations. On va pouvoir restaurer la forme des cours d'eau, leurs tracés qui ont été modifiés, donc redonner des méandres pour vraiment
avoir un effet plus fort et augmenter aussi le rôle naturel hein, d'épuration que peut avoir un cours d'eau. On va pouvoir aider la plantation d'arbres adaptés en bordure de cours d'eau. Alors les arbres, c'est important hein, à plusieurs titres, mais notamment pour faire de l'ombrage sur le cours d'eau et limiter la température de l'eau. Hein, plus l'eau est fraîche, plus elle va comporter d'oxygène dissous. Donc c'est vraiment un point important. Ça sert aussi à redémarrer hein, la chaîne alimentaire à l'intérieur d'un cours d'eau. Et puis, par exemple, sur les zones humides, parfois elles ont été remblayées, elles ont été drainées, et vous pouvez avoir des zones humides, d'anciennes zones humides de ce type sur vos terrains. Donc, on peut faire de l'enlèvement de remblai, on peut enlever des drains, c'est des types d'actions qui se font. Ça peut permettre aussi, hein, je parlais d'inondation, mais ça peut permettre aussi hein, d'avoir des zones naturelles d'expansion de crues qui peuvent aussi aider des enjeux que vous pouvez avoir sur les inondations. Alors, l'intérêt d'être sur un périmètre de contrat territorial, c'est aussi parce que l'Agence de l'eau finance auprès des collectivités, des syndicats de rivières, des spécialistes de ces questions de milieu aquatique, qu'on appelle habituellement les techniciens de rivière, qui vont pouvoir vous accompagner, vous conseiller, aller voir sur le terrain avec vous et peut-être voilà, vous accompagner tout au long de votre projet, que ce soit sur les études ou les travaux. Enfin, je voulais profiter de ce temps pour vous parler aussi d'une autre opportunité hein, qui vous est offerte en ce moment, un autre appel à projet pour restaurer la continuité écologique, donc la libre circulation des sédiments et des espèces aquatiques. Donc, c'est un appel à projet qui est en cours et qui va se concentrer sur l'effacement des barrages, des seuils ou de plans d'eau sur cours. En fait, on va enlever tous les obstacles hein, qui bloquent cette libre circulation des sédiments et des espèces aquatiques. Et là, on va vous offrir jusqu'à 100% d'aide. C'est quand même assez rare pour être souligné ici. Pourquoi? Parce que quand on va enlever un ouvrage qui ne sert plus, il n'y aura plus d'usage. Et donc, on peut, dans certains cas, ici, limiter. On n'est plus concerné par l'encadrement européen des aides d'État. On a certaines entreprises qui commencent déjà à en profiter et qui règlent des problèmes hein, qu'ils avaient sur des ouvrages en fait, qui avaient plus du tout d'intérêt pour eux ou qu'ils entretenaient à perte. Alors, bien sûr, vous avez peut-être un obstacle à l'écoulement hein, qui vous est utile et que vous souhaitez garder. Alors, c'est le propriétaire hein, qui décide toujours. On va pouvoir aider la gestion par ouverture de ces vannes, le contournement ou parfois des passes à poissons. Donc, ça, c'est des travaux qui peuvent être aidés à 50% d'aide sur les études et les travaux. Voilà, donc j'en ai fini pour cette partie. Je pense qu'il y aura peut-être des questions aussi qu'on pourra prendre dans la foire aux questions. Alors, merci hein, Jacques pour cette présentation. On va, alors là, nous n'avons pas des intervenants qui vont faire des retours d'expérience, mais en fait, on va vous diffuser un film justement qui illustre un petit peu des projets de travaux chez un industriel qui touche un petit peu tous les volets qu'on a présentés ce matin au niveau des séquences. Au cœur du massif armoricain, cette usine à la campagne, 420 salariés, implantée à Gourin, est l'un des 21 sites européens du groupe Ardot depuis 1995. Ardot est le leader en Europe de la production de légumes surgelés. Sur la liste de ses gros clients, les principales enseignes de produits surgelés. Potimarrons, haricots, choux, épinards, 75% de ces légumes de plein champ sont cultivés à moins de 100 km de l'usine chez 900 producteurs bretons. Et ces trois dernières années, la production bio a été multipliée par 5. Sur un marché du légume congelé en pleine expansion, l'industriel breton poursuit la modernisation du site, avec un double objectif, produire plus en consommant moins d'eau.
Donc nous sommes actuellement à une production d'environ 80 000 tonnes, donc avec pour objectif finalement de passer la production à 105 000 tonnes. L'eau fait partie des enjeux majeurs qui plus est pour les sociétés agroalimentaires, donc il est nécessaire de diminuer la consommation d'eau compte tenu de la rareté de la ressource, mais aussi par rapport à l'acceptabilité du milieu naturel, puisque nous sommes situés tout en haut d'un bassin versant avec une faible acceptabilité au niveau du milieu naturel. Réduire l'impact de l'activité sur l'environnement, voilà le défi. Alors, deux grands chantiers ont été lancés avec l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Le premier concerne les économies d'eau. Pour laver, peler, blanchir les légumes, 500 000 mètres cubes d'eau sont consommés chaque année. Alors, comment faire des économies ? Sur cette ligne de pelage, un décanteur a été installé. Les patates douces et tous les autres légumes racines sont épluchés, lavés. Puis l'eau utilisée est débarrassée des déchets, des matières en suspension, avant d'être réinjectée dans le circuit de lavage. Ça nous a permis donc de réduire par deux la consommation d'eau sur cette ligne. L'accompagnement de l'Agence de l'eau nous a permis d'aller très loin au niveau de la définition de notre cahier des charges, de nos besoins, et ainsi être très efficace, très performant sur cette ligne. Montant de l'investissement, 360 000 euros, 60% financé par l'entreprise, 40% par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. On est vraiment dans une des logiques que cherche l'agence, hein, la réduction des consommations d'eau chez les industriels. Et là, on a vraiment l'exemple type d'un projet où on va économiser 36 000 mètres cubes d'eau par an. Alors, ça paraît évident à mettre en place, mais aujourd'hui, tous les industriels n'ont pas encore fait cet effort de mettre des circuits fermés sur les lavages de leurs légumes. À moins de 500 mètres de l'usine, deuxième gros chantier pour le traitement des eaux usées. La station d'épuration a été totalement rénovée. Tous les effluents, les eaux usées du site industriel, sont désormais traités dans ces immenses bassins. L'objectif de la station, ça va être de traiter toute la pollution issue de ce lavage des légumes, qui représente l'équivalent d'une ville de 100 000 habitants. On voit en arrière-plan le hangar qui nous permet de stocker sur 2700 m² à peu près 18 mois de stockage des boues. L'épuration sur ce site-là, on l'a vraiment pensé par rapport à la qualité du milieu. On a réduit le flux de phosphore par deux sur cette station d'épuration pour être en phase avec les objectifs de qualité du milieu. Coût de l'opération, 6 150 000 euros d'investissement, cofinancé à part égale par l'Agence de l'eau et Ardoe. Le site industriel est installé à quelques centaines de mètres d'un cours d'eau, l'INAM, en tête de bassin versant. Un milieu sensible. Ardoe a donc poussé la démarche environnementale au-delà de la réglementation. On a créé en sortie de station d'épuration une zone humide, un vrai milieu naturel récepteur finalement avant le rejet officiel au milieu. L'image avec ces stations d'épuration, c'est justement d'aller beaucoup plus loin en termes de traitement et de satisfaire à toute la réglementation et même au-delà. C'est vraiment ça qu'on cherche à développer avec les industriels. Il y a l'incitation financière, hein. Mais il n'y a pas que ça, c'est aussi tout un travail d'échange et de discussion pour leur faire prendre conscience que le développement industriel il ne peut se concevoir que si on prend en compte l'environnement. Industrie et environnement se doivent d'être compatibles, on est au croisement finalement de ces deux chemins. On le voit, l'eau est de plus en plus une denrée rare, commune à tout le monde, donc on doit tous prendre soin de notre environnement au sens large. Au pied des montagnes Noires et au bord de l'INAM, l'Agence de l'eau Loire-Bretagne et Ardoe ont donc réussi à concilier l'augmentation de la production, les objectifs environnementaux de l'industriel et la protection de l'eau. Alors, on va prendre 5 minutes pour répondre à certaines de vos questions qui ont été diffusées là sur le chat par rapport à la séquence qui vous a été présentée. Alors, Jacques, je te laisserai la main après. Juste, est-ce que tu pourras revenir peut-être, même si tu l'as déjà explicité, mais un peu plus en détail sur la présentation, tu sais, de l'appel à projet continuité, en fait, qui est en parallèle du volet, on va dire, milieu aquatique intégré à l'appel à projet, on va dire, industrie. Une question, en fait, pour savoir si un projet permettant de restaurer un bois alluvial, une roselière et une zone humide pourrait être aidé dans le cadre de cet appel et projet et donc avoir un taux plus important que nos modalités d'aide actuelles sur le 11e programme. Alors, je peux répondre sur le principe. Alors, sans avoir le détail du projet, ce ne sera pas définitif. Mais effectivement, hein, c'est des types d'opérations hein, qui peuvent être financées hein, là-dessus. Ça rentre vraiment dans le cadre de l'appel à projet. L'idée, c'est vraiment de peut-être aussi de proposer des choses à partir du moment où on va vraiment
répondre à la problématique qu'on a sur le cours d'eau, sur la zone humide, ben on peut rentrer dans cet appel à projet. On a une question très générale. Les actions de préservation de la biodiversité rentrent-elles dans ce 11e programme, et je pense sous-entendu également dans l'appel à projet, plan de reprise, acteurs économiques? Alors oui, pour les actions de préservation de la biodiversité, nous, on agit principalement en restaurant les milieux naturels, parce qu'on sait que c'est en restaurant l'habitat, en restaurant ses fonctionnalités, qu'on va restaurer la biodiversité. Après, on a aussi d'autres types d'actions dans le programme, notamment sur des plans nationaux d'action pour des espèces protégées qui sont liées au milieu aquatique. Donc, on a toute une liste d'espèces et on peut aider des projets dans ce cadre-là sur leurs habitats, sur ces espèces vraiment en cible. Donc, c'est des choses qui peuvent être faites. Après, on essaie de garder quand même sur la majorité de nos actions une efficacité aussi sur la qualité de l'eau, qui sont nos objectifs premiers. Mais on peut bien entendu financer des choses sur la biodiversité, donc principalement avec des taux d'aide de 50% dans le cadre du programme. Juste, je me permets, parce que je vois une question qui vient d'arriver sur le reméandrage d'un cours d'eau. Notamment, non seulement c'est envisageable, mais ça peut être fortement souhaité. Merci Jacques.